Le 30 janvier 1946, lors des procès de Nuremberg pour crimes contre l'humanité à l'encontre des chefs nazis, un incident a lieu auquel personne ne prend garde. Il concerne un document coté PS 1553 qui contient des factures et un rapport. Invoquant de procédure, la cour ne retient que les factures. Et pourtant, Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek. Ce rapport est accablant. Il révèle l'existence de camps d'extermination. Il est signé Gerstein, Kurt Gerstein, un Allemand, un chrétien, un SS. Édition spéciale, un bourreau des camps à vous. J'ai exterminé jusqu'à 11 000 personnes par jour. Le récit des crimes du nazi Gerstein, camp de Belzec. Approchez, mesdames et messieurs, François, dernière édition. Tout sur la suite des aveux du bourreau emprisonné. Si vous entendez des choses étranges à mon sujet, ne croyez pas que j'ai changé. Je me suis engagé dans la SS et il m'arrive à présent de parler leur langage. L'effondrement se produira. C'est absolument sûr. Le jugement de Dieu viendra. Je suis sur les traces de tant de crimes. Je veux savoir qui ordonne ces meurtres. À n'en point douter, les articles de presse ne reflètent pas la réalité des faits. Les déclarations de Kurt Gerstein, extraites du rapport sur les chambres à gaz, se retournent contre lui. Le 25 juillet 1945, il est découvert pendu dans sa cellule à Paris. Du point de vue médico-légal, c'est un suicide. L'histoire pourrait s'arrêter dans le silence de ce cimetière allemand où résonne l'écho d'une conclusion formulée à Paris. Gerstein, le bourreau des camps nazis, a mis fin à ses jours pour éviter de comparaître devant la justice des hommes. Mais l'histoire n'est-elle pas autre chose? Comment démêler le vrai du faux? Chez les Gerstein, digne représentant de la bourgeoisie prusse, entièrement dévoué et soumis à l'autorité de l'Empire, c'est le père, Ludwig, qui commande. C'est un magistrat imposant, influent, bien calé dans ses principes. Des valeurs qu'il fait régner au palais de justice comme à la maison, le tout associé à un antisémitisme de tradition. Aucun des 7 enfants n'affronte l'autorité de ce père, aucun sauf un, Kurt. Clara, c'est la femme du magistrat, sa dévolue. Kurt ne trouve guère plus d'amour chez cette mère totalement effacée et soumise. Aussi, à la maison comme à l'école, il accumule bêtises, provocations, mauvaises notes, révélatrices du mal-être de cet enfant sensible, en manque de reconnaissance et d'estime. Un élève extrêmement doué, selon un de ses professeurs. L'année de son bac, il se fait un ami dont le père est pasteur, porté bien accueilli dans cette famille très pratiquante. C'est alors que se développe chez lui un puissant sentiment religieux jusqu'alors inconnu qui l'incite à entrer dans l'union des jeunesses chrétiennes. Le jeune homme y reçoit très fortement la prédication d'un pasteur, Théodore Noah, pasteur des jeunes, très conservateur, qui n'a de cesse de leur rappeler ce propos de saint Paul. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? La phrase résonne en Kurt profondément. Il culpabilise.
Précisément à cause de ma faute, je conclus que pour moi, il n'y avait plus d'aide possible, et de me détacher de Dieu, de me convaincre qu'il n'existait pas. Car c'était le seul moyen de continuer à vivre dans cette situation à laquelle je ne voyais pas d'issue. Malgré tous mes efforts, je ne réussis pas à fuir Dieu. J'en fis alors l'expérience sous son aspect terrible, dans le sens de la phrase biblique « Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant ». En 1925, à 20 ans, Kurt s'inscrit à l'université de Marbourg pour des études d'ingénieur. Il y choisit les mines et ses profondeurs. Son père le presse installé à la Teutonia, une confrérie d'étudiants dont lui-même a été membre. Kurt ne s'y plaît pas. Non pas que l'intense nationalisme de ce corps d'étudiants le choque. Sur ce point, il s'accorde avec sa famille et son milieu. Ce qu'il critique, c'est la légèreté des étudiants ainsi que le sens même de cette corporation. Pour l'avoir écrit dans un article, il en est exclu. Mais son père intervient. Kurt reste à la Teutonia. Pourquoi se soumet-il ainsi alors que cette organisation ne lui correspond pas? En 1934, il se confiera à son ami Alfred Bench, son futur beau-frère. Je ne pouvais pas quitter l'association parce que ce que me commandait mon père en la matière était pour moi, à cette époque, un ordre inflexible. Kurt utilise le mot « Gebot ». Un tel mot n'est pas anodin. En allemand, le terme de « Gebot » a une résonance biblique. Il désigne les 10 commandements. Il contient en lui-même l'idée d'une autorité supérieure. C'est l'autorité avec un grand A. C'est ainsi que Kurt ressentait celle de son père. Mais s'il ne trouve aucun réconfort dans ses fréquentations universitaires, et si les ambiances étudiantines de la confrérie l'ennuient, il a une bonne raison d'y rester. Ces jeunes qui se saoulent à la bière, il veut les convaincre coûte que coûte. Je sentais que je ne devais pas me préoccuper seulement de mon combat et de ma rédemption, mais qu'aussi poser à mes jeunes camarades la question brûlante : où est ton frère ? Où est ton frère ? C'est la question que Dieu pose à Caïn qui vient de tuer son frère Abel. La question qui pose la responsabilité de l'homme vis-à-vis d'autrui. C'est ainsi que Kurt comprend ce qu'il appelle sa mission, être responsable des autres devant Dieu. En 1928, Kurt s'engage activement dans les cercles bibliques, important mouvement de jeunesse protestant. Il y succède à Theodor Noah, son formateur et instructeur. Il s'adonne à l'évangélisation au service de Dieu en qui il reconnaît un autre père. Son influence sur les jeunes est considérable. Il dégage un véritable charisme. Dans son comportement avec les jeunes, Gerstein ne faisait pas preuve de sévérité. Il voulait amener les jeunes dans une certaine direction, ça oui. Mais le chemin pour y parvenir n'était pas celui de la sévérité. En cela, il était assurément très différent de son père, qui, bien sûr, était d'une autre époque et qui exigeait obéissance et discipline. Disons que Gerstein fonctionnait ainsi. Il voulait que les jeunes fassent de leur propre chef ce que lui voulait, en fait. C'est une autre forme d'autorité. Mais lui voulait aussi être reconnu par les jeunes. Et il l'a été.
L'autorité et la confiance sont les deux fondements. L'autorité est une juste proportion de respect, d'estime, de sévérité et d'esprit de suite. Les enfants l'appellent Fati, c'est-à-dire papa. En quête de reconnaissance, Kurt devient à son tour le père qui éduque et qui guide. En 1929, c'est la crise. Elle a raison de la République de Weimar. Le Parti national-socialiste se développe et la victoire d'Hitler le 30 janvier 1933 soulève un immense enthousiasme et beaucoup d'espoir dans la population. Les libertés sont suspendues. Arrestations et emprisonnements se succèdent. Les églises s'en choquent. Hitler poursuit une stratégie de séduction qui les rassure. Le 1er février 1933, il a parlé du christianisme comme base de sa nouvelle morale, invoquant Dieu dans ses discours. Le 1er mai 1933, c'est l'euphorie. Hitler en a fait un jour férié. Le jour national du travail. Ce même jour, Gerstein, père et fils, adhèrent au Parti national-socialiste. Les hommes de la famille Gerstein sont entrés d'un bloc au Parti national-socialiste début mai 1933. Nous savons de source sûre que ces adhésions étaient le résultat d'un conseil de famille. Les hommes ont certé pour savoir ce qu'il convenait de faire. Le père avait ensuite tranché et dit « Nous devons devenir membres du parti ». Les nationaux-socialistes avaient annoncé qu'il y aurait clôture des inscriptions en mai 1933. Il était donc clair que celui qui n'aurait pas adhéré au parti d'ici là ne pourrait plus le faire avant plusieurs années. Et ces gens qui étaient alors au service de l'État, qui étaient juges, juristes, savaient qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur carrière sans appartenir au NSDAP. C'est donc pour cela, à mon avis, et pour des raisons d'ordre tactique, que les Gerstein ont décidé d'entrer au parti. Et Kurt Gerstein a suivi. Mais pour lui, comme pour de nombreux chrétiens, la rupture se dessine très vite. Dès le 4 mai, Hitler commence à mettre au pas toutes les églises protestantes. Il veut aussi les arianiser. La bataille entre les protestants eux-mêmes. Après bien des péripéties, les chrétiens allemands, partisans d'une adhésion à ce programme, l'emportent lors d'une confrontation électorale avec à leur tête le pasteur Ludwig Müller, un proche d'Hitler. Mais dans la minorité, qui va bientôt prendre le nom d'église confessante, figure Kurt, qui a réussi à se faire élire dans la paroisse de Hagen. La grande rupture a lieu à Noël 33, quand Müller fait cadeau des jeunesses protestantes aux jeunesses hitlériennes. Gerstein s'élève contre l'intégration forcée des jeunes protestants dans les jeunesses hitlériennes en envoyant des télégrammes à l'évêque Müller et au chef de la jeunesse du Reich, Baldur von Schirach. Son message est très clair. Il dit que c'est un coup de poignard, que l'Église meurt de la main de l'évêque, que le protestantisme allemand est vidé de sens, anéanti même. À partir de là, la guerre est donc ouverte entre les cercles bibliques et les jeunesses hitlériennes. Gerstein ne peut plus poursuivre sa mission auprès des cercles bibliques que dans l'illégalité. La dissolution du cercle biblique de Westphalie a lieu près de Hagen, dans une forêt. Gerstein a rassemblé les jeunes une dernière fois. Ils sont venus en uniforme, avec foulard et chemise. Autour d'un feu de camp,
Gerstein fait alors un discours qui se réfère à un événement de la Première Guerre mondiale. Dans la baie de Scapa Flow, en Écosse, la flotte allemande, au lieu de se rendre, préférait se saborder. Et c'est exactement dans cet esprit que les jeunes se comportent. Ils jettent leurs uniformes au feu, ce qui symboliquement veut dire « le cercle biblique est dissous, mais nous n'irons pas aux jeunesses hitlériennes ». Ce message est resté ancré dans le cœur des jeunes. Ne pas entrer dans les jeunesses hitlériennes. Disparaître, mais avec dignité. Pourtant, Kurt n'a rien contre les jeunesses hitlériennes. Ce qu'il ne veut pas, c'est que Hitler se substitue à Dieu. Le 30 janvier 1935, au théâtre de Hagen, il le manifeste encore par un esclandre retentissant. Devant un parterre constitué des seuls membres du parti, on y joue une pièce d'un certain Wittekind, au contenu fortement hostile au christianisme. Kurt intervient alors et s'écrie « Nous ne laisserons pas ainsi notre foi se faire insulter publiquement !» La réaction ne se fait pas attendre. Le service d'ordre des SA le passe à tabac et le jette dehors. Le 15 septembre 1935, les lois de Nuremberg sont votées. Les Juifs sont désormais séparés du reste de la société allemande. Tout contact avec eux est légalement défini comme une souillure. Rares sont les chrétiens qui défendent les Juifs, à l'instar des théologiens Dietrich Bonhoeffer et Karl Barth. La grande majorité se refuse à voir réellement le problème. Kurt, qui n'hésite pas à déplorer dans une brochure la répression dont sont victimes les homosexuels, ne dit rien des lois anti-juives, tout en éprouvant un malaise. C'est là que sa contradiction devient manifeste. Face à une telle attitude du gouvernement, il ne peut pas rester membre du parti. C'est ce qui apparaît très clairement dans une conversation qu'il a en 1935 avec Martin Niemöller, l'une des grandes figures de l'Église. Il lui dit « Je vais démissionner du parti. Ce n'est plus possible. Avec tout ce qui se passe, je ne peux plus être des leurs. » Niemöller lui conseille alors de ne pas démissionner, mais de se faire exclure. Laisse-leur le soin de prouver que tu n'as plus ta place au sein du parti. Rester dans cette contradiction est aussi une manière de dire « Je n'ai pas le droit de fuir. Je dois faire face à la réalité politique, prendre mes responsabilités. Je ne peux pas simplement décréter que je ne veux rien avoir à faire là-dedans. » Cet élément marque le caractère contradictoire que nous décelons chez lui dans cette phase de sa vie. L'envoûtement puissant du cachet. Seul peut le briser de la compréhension. Va, dévoile le dedans. Tu feras naître le ciel de la libération. Un témoin, un des vrais témoins de la vérité, c'est un homme battu de verge, maltraité, traîné de prison en prison, et finalement, crucifié. Décapité, brûlé. En 1935, après plusieurs stages, Kurt entame sa carrière en entrant dans la Société anonyme des mines de la Sarre. Un an plus tard, il est chargé d'organiser à Sarrebruck le progrès des mineurs allemands. C'est alors qu'il joint aux invitations qu'il envoie aux congressistes deux affichettes. Compartiment réservé aux voyageurs accompagnés de chiens enragés. Compartiment réservé aux voyageurs atteints de maladies contagieuses. C'est une allusion aux membres du parti nazi qui encombrent tous les trains. Une provocation. Comme dans son enfance. Mais cette fois, c'est la Gestapo qui s'exaspère. Elle en comprend tout de suite la grinçante ironie. Une perquisition est ordonnée. Les nazis découvrent, prêtes à l'emploi, des milliers de lettres et brochures en faveur de l'Église confessante. Il est donc placé en détention préventive pour agissement contre l'État
et envoyé à la prison de Saarbrück. Son incarcération est relativement courte, mais les conséquences en sont très lourdes. Gerstein est exclu du Parti National Socialiste, poste au service de l'État en tant qu'assesseur des mines. Si l'on regarde les circonstances de sa première arrestation en 1936, on a vraiment l'impression d'un homme qui ne connaît pas la mesure et qui surestime totalement ses possibilités. Voyez-vous, quand on est officiellement chargé d'organiser un congrès des mineurs allemands auquel assiste aussi un ministre du Reich, le ministre de l'Intérieur, je crois, et que dans le même temps on expédie des milliers de brochures via son service, on ne peut tout de même pas croire que ça va passer inaperçu. Ça ne passe pas inaperçu. Ça se remarque. Mais Gerstein a cru plus d'une fois, je pense, que ce qu'il fallait, c'était déclencher une avalanche, que cette avalanche créerait sa propre dynamique et que celle-ci irait alors dans le sens qu'il souhaitait. Or, ça ne s'est justement pas passé comme ça. Béret, mais sans emploi, Kurt s'installe à Tübingen, où il entreprend des études de théologie, vite arrêtées au profit d'études de médecine. À cette même époque, il se fiance à Elfried Bench, fille de pasteur. Kurt entre dans une période de sa vie très ambivalente. D'un côté, il fait tout pour sa réhabilitation, de l'autre, il reste fidèle à l'Église confessante. Il multiplie brochures et conférences, y consacre une importante partie des revenus empruntés à l'entreprise familiale et il reste dans le collimateur de la Gestapo. L'incident suivant se produit en 1938. Gerstein est arrêté lors d'une rafle contre les partisans d'un certain Reinhold Wulle, un écrivain nationaliste d'extrême droite qui veut renverser Hitler pour restaurer la monarchie. Kurt Gerstein ne partage pas du tout ses opinions politiques, mais est sans doute entré en contact avec ce groupe et figure sur une liste d'invités. Cette fois-ci, il est incarcéré au camp de concentration de Welzheim, où il subit de mauvais traitements. Gerstein a donc l'occasion de faire physiquement l'expérience du très dur traitement infligé à tout opposant au régime. Il subit des interrogatoires, est enfermé dans la même cellule que des criminels de droit commun, et voit comment on maltraite les gens pour les faire avouer. Il semble qu'il ait été maltraité lui aussi. En outre, il est témoin de plusieurs tentatives de suicide dans les cellules. Au bout de quelques semaines pourtant, n'étant plus considéré comme réellement coupable ou dangereux, il est libéré. Mais cette période d'incarcération aura une incidence sur sa santé. Et Kurt Gerstein sait désormais ce que signifie être en camp de concentration. Un souvenir qui ne le quittera jamais. Und diese Erinnerung hat bis zuletzt nie vergessen. Kurt passe 6 semaines et demie en prison avant d'être relâché pour manque de preuves et surtout grâce à la bienveillance d'un agent de la Gestapo. Ludwig Gerstein ne désespère pas d'obtenir la réhabilitation de son fils. Il exerce une pression considérable sur lui. Kurt obtempère. Il s'active même pour réintégrer le parti nazi. Il envoie plusieurs lettres et est comparé pour s'expliquer devant le tribunal de Bochum et le tribunal suprême du parti à Munich. Je suis pleinement conscient que la façon d'agir à laquelle je me suis laissé entraîner est mauvaise et condamnable. J'ai fait à la police d'État des déclarations satisfaisantes concernant mes activités futures. Par ailleurs, je tiens à souligner que j'ai lutté des années durant contre les attaques judéo-bolchéviques menaçant la force populaire allemande. Je n'essaye pas d'échapper à ma peine, car je reconnais pleinement l'avoir méritée. Je demande cependant qu'on m'épargne la sanction la plus sévère, celle de l'exclusion. Je ne peux admettre que l'on m'accuse d'avoir manqué de fidélité au mouvement national-socialiste et de m'être rangé aux côtés de ceux qui s'efforcent de saboter l'œuvre du Führer. Je me sens profondément lié au mouvement et j'ai l'ardente volonté de le servir, ainsi que l'œuvre d'Adolf Hitler, de toute ma force, de tous mes moyens et au prix même de ma vie. Alors, il y a dès le début cette tension, mais en même temps, ne l'oublions pas, Gerstein Junior, donc Kurt,
partage avec le père le nationalisme, je parle des années 30 là, il l'exprime, bien sûr, c'est un protestant moins dur, le nationalisme et l'antisémitisme. Il le manifeste dans des lettres écrites à la Gestapo, et on voit chez le jeune Gerstein, chez Kurt, un besoin de se faire réintégrer dans le parti pour être de nouveau, je dirais, d'accord avec son père, n'est-ce pas ? Il y a donc désaccord au début, mais en même temps, tentative non seulement du père pour faire réhabiliter le fils, mais du fils pour se faire réhabiliter. En octobre 1938, Kurt part en voyage de noces à Venise avec Elfried, qu'il a épousée un an auparavant. Kurt Gerstein profite de sa croisière en Méditerranée, qui le mène entre autres à Venise, pour écrire à un parent qui réside aux États-Unis. Cette lettre est un document clé, car Gerstein est loin de la censure et peut enfin écrire ce qu'il pense. Il dit clairement, les nationaux-socialistes n'ont qu'un objectif, s'imposer par tous les moyens. L'Église va être détruite et dissoute. Ils veulent aussi imposer leurs pensées racistes et appliquer des lois raciales. Avec cette politique intérieure qui lui laisse présager le pire et après ses deux arrestations, il songe donc sérieusement à immigrer. Il le laisse entendre en disant, peut-être viendrai-je vous voir un de ces jours en Amérique. Il ajoute cependant, mais le moment n'est pas encore venu. Je dois rester là où je suis et prendre mes responsabilités. C'est-à-dire qu'il ne profite pas de sa croisière en Méditerranée pour s'enfuir, mais retourne en Allemagne, comme l'a fait Dietrich Bonhoeffer, le grand théologien résistant mort en 1945. Il affronte ses responsabilités sous le régime nazi, et cela aura pour lui de nombreuses conséquences. Fils, quel bout vivant. Je me range à présent sans la moindre réserve, sous la bannière à la croix gammée, et reconnais qu'elle est une nécessité pour le nouveau Reich. Et cher père, je ne peux malheureusement partager ton opinion quant à l'évolution prochaine de la situation. Je n'ai pas le moindre doute quant à cette évolution pour l'avenir. Elle peut entraîner des conflits intérieurs bien plus graves encore que ne provoque celui de porter la responsabilité des derniers événements. Nous sommes revenus quelques jours avant l'incendie de la synagogue qui n'était pas loin de là où nous habitions. Et alors que nous la regardions brûler, il m'a dit, « Tu vas voir, ils vont laisser tomber les masques. Ça ne fait que commencer. » Les mois passent. Kurt a 34 ans. Depuis 2 ans, il ne travaille plus. En désaccord grandissant avec son père, il dépend de lui plus que jamais. C'est grâce à lui que, sur décision du tribunal du NSDAP, le 22 juin 1939, il n'est plus exclu du parti, mais simplement congédié. C'est encore grâce à lui que Kurt trouve un emploi dans une mine de potasse en Thuringe. Il y restera 2 ans. So entdeckt man, dass ab dem Jahre 1938, also nach der zweiten Verhaftung, à partir de 1938 et de sa deuxième arrestation, il change de tactique. Il ne veut plus s'opposer au régime en résistant, en fonçant dans le mur et en se cognant la tête. Il veut passer par la porte et voir ce qui se passe derrière. Pour ce faire, il doit donc opérer un changement d'opinion radical et prouver qu'il n'est plus contre le national-socialisme, comme cela a pu sembler être le cas auparavant. Comme sa famille souhaite aussi vivement qu'il soit réintégré dans le parti, il en profite pour affirmer qu'il souhaite à présent concilier national-socialisme et convictions religieuses et demande que cela lui soit accordé en sa qualité de nazi. C'est dans ce contexte qu'il fait un certain nombre de déclarations, comme celle à l'intention de son ami français Robert Weiss, dans une lettre qu'il lui envoie en 1939, au moment où la guerre éclate. En voici quelques extraits sans équivoque. Cher Robert Weiss, que cette lettre puisse passer les censures allemandes et françaises, c'est aux responsables d'en décider. Mon ami Niemöller a dit pas mal de bêtises contre l'État et le parti. Il doit le payer cher, très cher à mon avis, trop cher peut-être. Il n'y a plus en Allemagne de mouvement d'opposition notable.
même prisonnier dans mon camp de concentration, et j'ai pu faire là-dessus mes observations. Le reliquat des opposants est constitué piel de criminels ou d'asociaux, impensables comme alliés. L'Église confessante a fait de grosses bêtises en voulant transposer chez nous trop de spécificités juives, périmées, épaves de la terre de Canaan. L'Angleterre ne peut pas gagner cette guerre. Nous en sommes tous convaincus ici. Cette lettre donne l'impression qu'il a pris ses distances avec ses convictions. Il faut savoir qu'il l'a envoyé par la chancellerie de l'Église, c'est-à-dire par la voie officielle. Gerstein savait qu'elle serait lue par la censure, et effectivement, elle a atterri dans les dossiers de la Gestapo. Elle prouve que Gerstein commence à changer. Il va même plus loin en acceptant de collaborer avec les jeunesses hitlériennes. Pour moi, c'est une première étape dans sa tentative d'ouvrir cette fameuse porte pour voir ce qui se passe derrière. La phase finale de ce changement sera son entrée dans la SS, le moment où il arrive réellement à pénétrer dans ces unités que la rumeur dit responsables des crimes d'euthanasie et qui seront donc aussi chargés de tout ce qui va suivre. Les sermons de l'évêque de Münster, Clemens August von Galen, contre l'euthanasie et autres violences du national-socialisme, ont été recopiés, imprimés et distribués sous le manteau. On peut supposer que Gerstein a eu connaissance de ces sermons et qu'ils ont accru sa volonté de découvrir ce qui se passait vraiment. Sa belle-sœur, Bertha Ebling, atteinte de troubles mentaux, a manifestement été assassinée. Lors des funérailles, en février 1941, donc avant d'intégrer dans la SS, Gerstein s'entretient avec le pasteur et lui dit « Je veux entrer dans la SS car je veux savoir ce qui se passe. » Il dit aussi « Elle n'est pas morte, elle a été assassinée, je le sais. » Et je veux tirer ça au clair. Je décidai de tenter, quoi qu'il arrive, de regarder dans ses fours et ses chambres pour savoir ce qui s'y passait. Je n'avais pas de scrupules. J'avais moi-même été berné par deux fois par les agents du service de sécurité. Il s'était infiltré jusqu'au cœur de l'église protestante et prié à côté de moi. Je pensais, ce que vous êtes capable de faire, je peux le faire mieux que vous. Et je me portais volontaire pour la SS. La décision d'entrer dans la SS apaise Kurt, car enfin, il y voit clair dans sa mission. En même temps, cette entrée lui apporte un statut social, la reconnaissance de sa famille et un salaire. Et il est assuré de ne plus être inquiété par la Gestapo. Pour ce chrétien attentif aux signes de Dieu, il y a là une conjonction d'éléments favorables qui dissipent tous les doutes. Et finalement, il est plus facile d'entrer en SS que de retourner dans le parti. Avec la SS, Hitler veut en effet construire une armée parallèle à la Wehrmacht. Les besoins en gens compétents sont grands. La SS n'est donc pas très regardante sur les gens qu'elle embauche dès lors qu'ils satisfont à son attente. Kurt Gerstein est ingénieur et a des bases en médecine. Il est nommé à l'Institut d'hygiène. Le voici donc responsable dans la SS des questions sanitaires. Et il parvient à imposer quelque chose de très important. Il réussit à développer des instruments qui contribuent à enrayer l'épidémie de typhus dans les camps de prisonniers. On lui en fait compliment, il monte même en grade, et il a bientôt la réputation d'être un génie de la technique.
Il arrive à concevoir et à fabriquer quelque chose pour lequel on n'avait pas de modèle. Mais lui s'applique très consciencieusement. Il se fait une citation qui le comble. Elle lui donne la conscience de sa valeur. Et finalement, ce n'est pas si grave ce qu'il a à faire. Il porte les insignes de la SS, mais il se bat pour la santé et la vie. Cher Elfried, actuellement, je construis avec acharnement un grand nombre de camions de désinfection. Un beau travail, quoique un peu pénible. En tout cas, depuis quelques mois, profession et intérêt coïncident enfin à nouveau. Je me trouve ici, à un endroit où je peux véritablement être extrêmement utile et aussi empêcher beaucoup de choses. Son double jeu s'est mis en place. D'un côté, par la qualité de son travail, il gagne la confiance de ses supérieurs, il est rapidement nommé lieutenant. De l'autre, il travaille son personnage de chef SS autoritaire, lui qui n'arrivait pas à marcher au pas pendant sa formation. Conduit, attestation spéciale, voiture particulière. Il obtient tout ce qu'il veut par la corruption et recueille ainsi de précieuses confidences sur le système nazi. Sans compter les nouvelles recrues qu'il installe à l'Institut. Kurt pense maîtriser la situation. Sa détermination est d'autant plus forte que la conscience de ce conservateur nationaliste a mûri. Lors d'une de ses formations à Hollande, il retrouve un vieil ami, l'ingénieur Hubink, chef de résistance, auquel il confie « Nous devons perdre cette guerre. Mieux vaut sans Versailles que le maintien de cette bande de criminels. Que sert à un peuple de gagner le monde entier si son âme en périt ?» Kurt voyage de plus en plus pour les besoins de l'Institut et se rend fréquemment en France pour la fabrication de ses camions de désinfection. Hatte Kurt von SS unter Sturmführer Bergerfischer Kurt Gerstein gesprochen. Sie wird in dankbarer Erinnerung an die humanistische Bildung gesprochen, die Sie auf dem humanistischen Gymnasium in Neuruppin unter unserem alten Direktor Dr. Eduard Lipko bekommen haben. Sie wird zugleich in Dankbarkeit gegenüber dem Verleger Heimeran gesprochen, der es sich wie kaum jemand in Deutschland... Das ist die Schallplatte, die mir Elfried Gerstein... Voici le disque que m'a donné Elfried Gerstein, en précisant que Gerstein l'avait enregistré à Paris, sur les Champs-Élysées. Sur ce disque, il récite par cœur le premier chant de l'Iliade en grec, mais commence par une petite introduction tout à fait typique du personnage. Il y remercie ses professeurs de lettres classiques au lycée, ceux qui lui ont enseigné le latin et le grec. Il remercie également l'éditeur, Ernst Heimran, qui, à l'époque, publiait encore des œuvres anciennes en langue originale. C'est une provocation manifeste et une critique ouverte du national-socialisme qui méprisait les langues mortes et voulait en supprimer l'enseignement. Gerstein montre ici très clairement qu'il est d'un tout autre avis et veut perpétuer l'idéal humaniste de la culture. Ul omnen, he myria haeos alge teiten. Collutissimus cytas aedin troiapsen heron. Aut huce heluria teutis in etum. Oi o neuvite deica, ios deteraie corbule. Dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. En janvier 42, un pas de plus est franchi. Il fallait traiter les Juifs comme des bacilles tuberculeux susceptibles de contaminer un corps sain. C'est la réalisation du projet qu'il décrivait dans son livre « Mein Kampf » en 1924. La solution finale, sa méthode, le gaz. Heydrich, Eichmann et Himmler en ont fixé le programme. Pour Kurt, est venu l'instant de vérité. Le 8 juin 1942, je reçus l'ordre secret de me procurer 260 kg d'acide cyanhydrique et de me rendre au moyen d'un véhicule du service de sécurité en un lieu que seul le chauffeur connaissait.
Je l'acceptais parce que le hasard me conduisait au but. Jeter un œil dans toute cette machinerie, ce que je souhaitais depuis. Si je n'avais pas accepté la mission, un autre l'aurait exécuté dans le sens voulu par le service de sécurité. Tandis que, grâce à mon autorité dans le domaine des gaz hautement toxiques, je pouvais sans difficulté faire disparaître tout le chargement, au prétexte qu'il s'était décomposé, détérioré, ou qu'il était devenu dangereux. Ainsi, je pouvais moi seul empêcher l'emploi abusif de l'acide cyanhydrique à des fins homicides. Après la frontière polonaise, Kurt fait arrêter le camion. Il dit avoir reniflé quelque chose. Il descend et observe la cargaison d'acide d'un air très préoccupé, inquiet. Il y a des fuites. Il faut s'en débarrasser. C'est une question de vie ou de mort. Une partie du chargement est jetée. Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek. À l'exception de ce dernier, j'ai visité à fond tous ces camps, accompagné du chef de toutes les installations de mise à mort, le capitaine de police Wirth, de façon approfondie et en fonctionnement. Wirth est celui-là même qui, sur l'ordre d'Hitler et d'Himmler, a fait périr les malades mentaux à Hadamar, Grafenegg et autres lieux. La chose s'effectue maintenant avec les gaz d'échappement de diesel, venant d'un vieux moteur diesel russe. Cela doit être transformé de quelque façon pour aller plus vite. Et là, je pense à l'acide cyanhydrique. L'installation de Belzec fonctionne depuis avril 1942. Le 19 août, à 7 heures précises, arriva un train de 45 voitures venant de Lemberg. 200 Ukrainiens ouvrent brusquement les portes et font sortir du train à coups de fouet de cuir 6 700 personnes, dont 1450 sont déjà mortes à leur arrivée. Et le cortège arrive par une allée de bouleaux. Des mères avec leurs nourrissons sur la poitrine. Des hommes avec des prothèses qu'ils ont dû enlever. Des petits-enfants. Tous sont nus. Ils entrent dans les chambres de la mort, poussés en avant par les autres derrière eux, ou par les fouets de cuir des SS. Certains s'adressent à moi. « Oh monsieur, aidez-nous. Mais aidez-nous !» Comme j'aurais voulu entrer avec eux dans les chambres. Comme j'aurais voulu partager leur mort. Quatre chambres se remplissent. Quatre fois 750 personnes dans quatre fois 45 mètres cubes. Au bout de 32 minutes, tous sont morts, debout, serrés les uns contre les autres, comme des colonnes de basalte dans les chambres. Crispés par la mort, ils se serrent les mains de sorte que l'on a peine à les détacher les uns des autres, afin de libérer les chambres pour la prochaine charge. Quant au cyanhydrique emporté, je l'ai fait enterrer. Pas un ici, en dehors de moi, ne voit cela en adversaire, en ennemi de cette bande d'assassins. Il me faut donc vivre et tout d'abord faire connaître ce que je vois ici. C'est le service le plus difficile. Très difficile. Il a vu quelque chose, il est choqué au plus profond de son âme et il devient un autre homme. Un homme torturé, liquidé, mais qui va essayer de dire. Ce qui frappe dans les rapports de Gerstein, c'est la manière dont il décrit la situation à Belzec. Certes, il dit bien que ce sont des Juifs que l'on pousse là-bas dans les chambres à gaz, mais le fait qu'ils soient Juifs n'a aucune importance. Seulement le fait que ce sont des hommes.
que ce sont des hommes. Il écrit, j'aurais voulu prier mon Dieu et le leur et crier. Ceci veut dire que Gerstein se situe avec ces gens et se situe exactement sur le même plan qu'eux. Et si nous pensons à cette parole, suis-je le gardien de mon frère? Qui est mon frère? Où est mon frère? C'est à Belzec que Gerstein en a compris toute la portée. Ce qu'il a compris avant tout, c'est qu'il a une mission. Sur ce point-là aussi, il a la mission que soit raconté ce qu'il a vu là-bas, pour les victimes, moins que pour lui et pour sa propre justification. Wegen der Opfer muss es erzählt werden. À l'aide, faites quelque chose. Que cela se sache à l'étranger. Il faut en parler dans le monde entier. D'autres moyens d'arrêter cette démente abomination. Alors que j'ai cherché vainement une couchette de wagon-lit, je rencontrais dans le train qui me ramenait à Berlin le secrétaire de légation de l'ambassade de Suède, le baron von Otter. Encore sous l'impression toute fraîche des choses terribles que je venais de voir, je lui ai tout raconté, en le priant de le faire savoir tout de suite à son gouvernement et aux alliés, sachant que tout retard coûtait la vie à des milliers, des dizaines de milliers de gens. S'agit-il des Juifs ? Oui, des Juifs qui sont tués à l'Est. Il était difficile de convaincre Gerstein d'voix basse. Nous avons passé toute la nuit ensemble, 6 heures ou peut-être 8, et inlassablement, il rappelait ce qu'il avait vu. Il sanglotait et se cachait le visage dans les mains. Je pensais qu'il ne supporterait plus bien longtemps ses tourments. Kurt alerte aussi ses amis de l'Église confessante. Nach diesem Bericht saß ich völlig stagniert. Quand il a eu terminé, je suis resté prostré dans un coin, sur un canapé, sans pouvoir dire un mot. À ce moment-là, Gerstein s'est précipité sur moi et m'a pris par les épaules en disant « Ne devrions-nous pas sortir tout de suite dans la rue et crier et révéler au peuple allemand le genre de crimes qui sont commis là, en son nom ?» Mais d'un coup, il s'est calmé et a dit « Ça ne servirait à rien. Nous serions assassinés, abattus d'une balle et la chose continuerait. » Nous devons essayer de savoir ce qu'ils ont encore comme projet et ensuite avertir le peuple allemand et l'opinion publique du monde entier. Kurt tente de prévenir l'Église catholique. Il se rend au siège du nonce apostolique Orsenigo. Là, on me demanda si j'étais soldat. Sur quoi, on refusa tout autre entretien avec moi. Je fus invité à quitter immédiatement l'ambassade de Sa Sainteté. Je dis cela ici parce que cela montre à quel point il était difficile à un Allemand de trouver secours dans sa détresse, alors que dans une nécessité si effroyable, il ne pouvait pas même trouver aide et conseil auprès du représentant de Sa Sainteté, vicaire du Christ sur la terre. Quelques mois plus tard, il rencontre son vieil ami Hubink, chef de la résistance hollandaise, à qui il demande de transmettre son rapport aux alliés. Il suggère le largage de tracts au-dessus de la population allemande pour l'informer de l'extermination des Juifs dans des camps. Kurt prend des risques. Il connaissait le système assez bien pour savoir que dévoiler ce qu'il dévoilait était une peine de mort certaine, avec tout ce que ça impliquait pour tous ceux que sa femme, ses enfants. Donc, Gerstein a été résistant parce que, d'emblée, quelles que soient les raisons qui l'ont amené à Belzec, après avoir vu et commencé à dire
il s'est rendu compte, il le savait certainement, qu'il risquait la mort. Et tous ceux qui parlent d'avoir été résistants au sein d'un système qu'ils condamnaient en leur fort intérieur, mais qui finalement n'ont pas fait grand-chose, moi, à ce moment-là, je dis « Attention, quels sont les risques que vous avez pris ?» Elfried, sa femme, ne sait rien de précis sur toutes ses activités et ignore tout des crimes de la solution finale et des démarches clandestines de son mari pour alerter le monde et l'Église. Loin de Berlin, à Tübingen, elle ne le voit que de temps en temps et en coup de vent. Toujours pressé, anxieux, nerveux, juste le temps de prendre des nouvelles d'Olaf, Arnulf, Adélaïde, leurs trois enfants. Torturé par ce qu'il ne peut pas dire à sa femme, Kurt préfère s'en aller et dire qu'il reviendra le plus vite possible, comme à chaque fois. Depuis Belzec, Kurt guérit malade. Il ne se remet pas. Tous ses proches témoignent de son effondrement moral et physique. Le diabète le ronge. C'est alors que mi-43, il reçoit un ordre. L'adjoint d'Eichmann, Rolf Günther, veut stocker de très grandes quantités de zyklon B dans Berlin même. Je ne sais pas exactement quelle était l'intention des services centraux de sécurité du Reich. Plus tard, j'ai pensé à Goebbels ordonnant de claquer les portes derrière nous si le nazisme échouait. Peut-être voulait-il tuer une grande partie du peuple allemand. Peut-être les travailleurs étrangers. Peut-être les prisonniers de guerre. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai fait disparaître l'acide au service de désinfection aussitôt après son arrivée. Kurt fait entreposer ce gaz dans les services de désinfection de concentration d'Oranienburg, mais aussi à Auschwitz, camp de concentration et d'extermination. Au camp d'Auschwitz, il y a en effet un service de désinfection et de décontamination qui est dirigé par un collègue de Gerstein, le docteur Pflaum. Donc, il est parfaitement logique qu'il fasse transférer ce zyklon B de Berlin vers des lieux éloignés, où il est à l'abri, en quelque sorte. J'ai fait établir les factures en mon nom, sous prétexte de discrétion. En vérité, pour être plus libre de prendre mes dispositions et pour mieux faire disparaître l'acide toxique. Pour la même raison, j'ai toujours évité de présenter au règlement les nombreuses factures qui arrivaient, car j'aurais ainsi sans cesse rappelé aux services de sécurité l'existence de ces stocks. Mais en mai 1944, l'usine qui produit le zyklon à Dessau est entièrement détruite par les bombardements. Face au risque de pénurie de gaz, Kurt a peur qu'on lui réclame celui qu'il entrepose depuis plusieurs mois en s'efforçant de le faire oublier. À mots couverts, il demande à Gerhard Peters, le directeur de la Degesch, la société productrice du gaz, une lettre attestant que le zyklon B ne se conserve pas indéfiniment, ce qui lui permettrait de l'utiliser au plus vite à la désinfection. Peters, un nazi convaincu, qui sait que son gaz sert à tuer des êtres humains, fait répondre par son directeur technique que le zyklon se conserve très longtemps. La stratégie de Kurt tombe à l'eau. C'est cette affaire qui crée la controverse autour de Kurt Gerstein. Il est suspecté d'avoir involontairement contribué au génocide avec ce gaz. Pourtant, le témoin déporté d'Auschwitz, affecté à l'entrepôt du gaz destiné à la désinfection, atteste que ce zyklon-là n'a pas servi à un autre usage. Quant à Gerstein, il imagine si peu qu'on puisse douter de sa bonne foi qu'il présentera aux alliés les factures qui se retourneront contre lui. Une telle confiance de sa part s'explique aisément. Les autres factures, celles de l'approvisionnement régulier, n'étaient pas de son ressort.
Les camps étaient approvisionnés par les deux distributeurs officiels de la Degesh, la Eli et la Testa. Ces deux firmes avaient la charge de livrer le Zyklon B au camp d'extermination. Elles s'étaient partagées le territoire et c'est par elles que les camps se fournissaient en gaz. Gerstein ne jouait absolument aucun rôle dans la livraison au camp. Leur approvisionnement s'effectuait en dehors de son service et ne relevait pas de seiner Kompetenzen. Alors, à un moment donné, Gerstein se trouve, en mars 1944, se trouve dans un hôpital militaire à Helsinki. Il était diabétique, il souffrait de pas mal de difficultés physiques, et donc il est là, alité, et il le dit, à son père, il écrit, je crois qu'il commence en disant « Cher père, je profite d'un dimanche soir solitaire pour écrire la lettre que je te dois depuis longtemps. » Cher père, il est des situations où un fils est obligé de donner un conseil à son père, qui pourtant a jeté en lui les fondements et a formé les valeurs qui sont les siennes. Le jour viendra où, toi aussi, tu seras obligé de rendre des comptes pour ton époque et ce qui s'y est passé. Nous ne pourrions d'ailleurs plus nous comprendre s'il m'était impossible ou interdit de te dire « Ne sous-estime pas cette responsabilité ni cette obligation de rendre des comptes. » Le moment de l'assumer peut venir plus tôt qu'on ne le pense. J'ai conscience de cette obligation et je conviens que je me sens dévoré par elle. Mais qu'importe. Toute l'authenticité de Kurt Gerstein est dans ses mots, c'est-à-dire tout ce qu'on peut croire de son de tels aspects de son action ou tels autres est finalement secondaire. Ici, Gerstein est dans quintessentiellement le Kurt Gerstein que l'on cherche, n'est-ce pas, celui qui résiste et par les moyens qu'il a et qui écrit très clairement à son père, ce qui se passe est inqualifiable, il est impensable qu'on abandonne les valeurs que toi-même, d'ailleurs, tu as cru nous inculquer. Le père ne le comprend pas. Le père ne le comprend pas, il lui répond, mais de manière sèche et dure, et il lui dit, toi, tu dois obéir, ton devoir, c'est l'obéissance, c'est celui qui donne les ordres, donc tes supérieurs, qui porte la responsabilité des actions qui se font, quelles qu'elles soient, ton devoir à toi, c'est l'obéissance. Et lui dit, moi, en tant que vieil officier prussien et en tant que fonctionnaire de l'État, n'est-ce pas, je te dis, quel est ton devoir ? Obéir. Ce qui nous rappelle tout de suite tout un poids d'autoritarisme prussien et autres, et avec lié au protestantisme, surtout luthérien, et à cette tradition de bureaucratie prussienne, allemande, d'officiers de l'armée, enfin, toutes les valeurs antilibérales, n'est-ce pas, que l'Allemagne de cette époque, pré-Hitler même, cette tradition représente. Et puis le fils, à la fin, lui dit ce genre de désaccord déchire beaucoup de familles. Je vois que tu ne me comprends pas. Et je crois que c'est la dernière lettre qu'il lui envoie. Gerstein était intimement persuadé qu'on ne se moque pas de Dieu impunément et que les crimes allemands s'attireraient ses foudres. Il était sûr aussi que les arrêts la guerre. Il ne pouvait pas en être autrement, selon la justice divine. Il était convaincu que même si les nazis dominaient sur Terre, la justice divine se chargerait de les juger. Pour lui, la justice suprême était entre les mains de Dieu. Das war sein Glaube an die Gerechtigkeit letzten Endes in Gottes Hand.
Mars 45. L'avancée alliée est inexorable. Confiant, il quitte Elfried. Tu verras, on entendra parler de moi. Mais qui va t'écouter, toi? Un SS. Tu seras étonné du nombre de choses que j'ai faites. Kurt embrasse Elfried et ses enfants, passe la porte et s'en va. Ils ne se reverront plus. Mais Kurt de lui. Kurt se rend à l'armée française. Le 26 avril, il est installé à l'hôtel Zum Mohren à Rottweil. On lui demande de mettre par écrit tout ce qu'il dit savoir. On lui amène du papier et une machine à écrire. Et sous la surveillance de plusieurs officiers français, Kurt accomplit sa dernière mission. Son témoignage va devenir le rapport Gerstein. Il est ensuite transféré à Langenargen, au bord du lac de Constance. Il est alors très confiant. Cher Elfried, je te conseille une chose. Défends-toi. Ne te laisse pas faire. Il va de soi que des gens comme moi, comme nous, doivent être traités différemment des autres. Mon activité au sein de la SS a toujours été exclusivement celle d'un émissaire de l'Église confessante. On s'intéresse beaucoup à mon cas. Et je dois comparaître devant la Cour internationale de justice en qualité de témoin capital dénonçant les criminels de guerre. Je t'adresse ainsi qu'à ton père et aux enfants mes pensées et mes vœux les plus affectueux. Mais très vite, il éveille les soupçons. On le prend pour un fou, et puis pour un SS, un vrai. Au début du mois de juin, Kurt est transféré à Paris. Ici, les interrogatoires se durcissent. Gerstein demande à ce que l'on prévienne très vite le diplomate suédois, le baron von Otter, pour qu'il intervienne et confirme son témoignage. Le 13 juin 1945, il est inculpé pour avoir donné des instructions en vue de l'empoisonnement d'une multitude d'êtres humains dans les chambres à gaz. Le 5 juillet, il est incarcéré à la prison du Cher. Le 15 juillet, il demande à être assisté par un avocat avec des intérêts et connaissances spécifiquement chrétiennes. Le 19 juillet, le juge Mattei signe l'inculpation pour avoir participé directement ou indirectement à l'assassinat de nombreux déportés en Allemagne en fournissant 260 kg de cyanure de potassium destiné à asphyxier les victimes dans les chambres à gaz. Le 25 juillet, Kurt Gerstein est retrouvé mort, pendu dans sa cellule. Il est inhumé dans la fosse commune du cimetière de Thiers sous le nom de Gazstein. 4 vision, 20e ligne. Ce que nous savons maintenant, mais que Gerstein ignorait, c'est que le rapport a en effet été transmis au gouvernement en exil à Londres et de là aux Alliés. Dès 1942, les Alliés connaissaient l'existence du génocide. Les informations de Kurt étaient du reste corroborées par d'autres témoignages. Mais rien ne s'est passé. La guerre était prioritaire sur le sort des Juifs. Le gouverneur britannique du protectorat égyptien, Lord Walter Moyne, en substance, demandait même « Mais où pourrions-nous les mettre ?» Et le pape, il s'est tu lui aussi. Donc, nous avons là quelque chose qu'il faut, je crois, appeler de son nom, une lâcheté collective, où Gerstein ressort comme un étrange, mais néanmoins personnage qui nous pose les questions les plus difficiles face à cette, je dirais, facilité ambiante, hein. Et puis, bien sûr, ce cercle s'élargit à la passivité générale. D'un monde, d'une Allemagne, d'une chrétienté
qui, au fur et à mesure des mois et des années, apprend plus ou moins tout. Et se dit bien. Et nous nous occupons de ceux qui nous sont proches, les juifs convertis. Et nous essayons de les aider, mais les autres ne font pas partie de notre monde, ne font pas partie de notre humanité. Le 17 août 50, la chambre de dénazification de Tübingen classe à titre posthume le SS Gerstein parmi les coupables de seconde catégorie, les Belasteten, au motif suivant. En mettant de hautes personnalités de l'Église évangélique, des membres de la résistance hollandaise, des représentants de pays neutres et de pays des forces alliées au courant des exterminations, en les priant d'en informer l'opinion publique mondiale, en détruisant des livraisons de gaz Zyklon B, Gerstein a fait acte de résistance et a ainsi encouru de grands dangers. Cependant, compte tenu de l'horreur des crimes commis, cette attitude ne saurait l'exonérer complètement de sa co-responsabilité. Gerstein est condamné pour l'inutilité de ses efforts. Il aurait dû savoir qu'à lui seul, il ne pouvait empêcher les exterminations. Les spectateurs passifs sont des spectateurs coupables. Et il faut, je crois, être clair à ce point de vue. On ne peut pas se poser des questions sur Gerstein et en même temps dédouaner tous ceux qui se disent on n'en a rien à faire de tout ça, ce n'est pas notre affaire et nous on s'occupe surtout de survivre au jour le jour et puis de s'en sortir de cette guerre et tout ça. Et bon, il y a des criminels. Bon. Et beaucoup se disent, bah, après tout, c'est peut-être pas si mal que ça. Contre l'avis du tribunal de Tübingen, Elfried Gerstein mène un combat pour la réhabilitation de son mari. Le 20 janvier 1965, Kurt Gerstein est réhabilité. Cette décision est fondée sur le fait que Gerstein a lutté contre le national-socialisme sur de ses forces et en a souffert en conséquence. Il y a une institution à Jérusalem qui s'appelle Yad Vashem, qui est un centre de recherche et qui est aussi un centre de commémoration, et où notamment on commémore, on garde les noms de ceux, des non-juifs qui ont aidé les victimes. Et il y a une longue enquête pour savoir s'il faut ou pas attribuer à quelqu'un le titre souvent posthume d'injuste parmi les nations. Et la question s'est posée de est-ce que Gerstein méritait ce titre ? Et quand on m'a posé la question, ça remonte à il y a très longtemps, et, je sais pas, 20 ans peut-être, je me souviens assez vaguement d'avoir été hésitant, bien que je savais tout ce que je vous dis, mais je me disais en même temps, le mettre dans cette allée, n'est-ce pas, des justes, alors qu'il était complètement impliqué dans ce système. Aujourd'hui, je crois que je dirais, oui, il faut lui donner le titre, mais j'ai hésité moi-même. J'ai hésité moi-même, donc voilà le dilemme Gerstein, l'ambiguïté Gerstein et le problème qui se pose à chacun de nous. Jusqu'où peut-on aller pour témoigner et en faisant partie d'un système que l'on aborde, que l'on veut détruire finalement.